Alors, je suis censée vous causer du complexe d'Œdipe. Autant dire que parler à des psys du complexe d'Œdipe, c'est comme décrire une baguette à un boulanger parisien. Ça relève un peu du défi. Sauf que, et là, un peu par le fruit du hasard, vous avez une brochette de trois psychanalystes qui, toutes les trois, interrogeons l'hypermodernité, qui réinterrogeons les concepts qui sont les nôtres, qui remettons nos outils sur le métier pour essayer de réfléchir à l'époque que nous traversons. Et cette réflexion a une seule finalité, c'est bien entendu de faire de nous des cliniciens les plus adéquats et de faire de notre écoute le préalable de notre clinique en progrès, évidemment de notre théorie clinique. Alors je vais essayer de vous présenter assez rapidement ma réflexion sur le complexe d'Œdipe. La psychanalyse qui a vu le jour il y a une centaine d'années a connu finalement une trajectoire assez paradoxale, puisqu'elle a été à la fois l'objet de nombreuses critiques et a rencontré le succès le plus durable de tous les traitements psychiques. Son outillage conceptuel, réservé initialement à une élite, est aujourd'hui passé, comme on dit, dans le domaine public. Le traitement psychique par la parole a révolutionné le regard de l'homme sur lui-même et a de ce fait participé à son devenir actuel. Et mon propos aujourd'hui va s'articuler autour de cette thématique, c'est-à-dire qu'est-ce que le dévoiement, qu'est-ce que la vulgarisation, qu'est-ce que nos outils conceptuels majeurs, qu'est-ce que plus précisément le complexe d'Œdipe passé dans le langage courant, a participé au bouleversement de l'hypermodernité. Finalement, qu'on soit pour ou contre la psychanalyse, il est aujourd'hui impossible de penser la condition humaine sans cette conscience devenue collective de l'inconscient. Mais plus encore que la conscience collective de l'inconscient, nous sommes tous pétris, depuis quelques générations, par la conscience commune d'un complexe d'Œdipe. Alors, je ne vais pas revenir longuement sur ce qu'est le complexe d'Œdipe. Encore une fois, je ne vais pas décrire une baguette à un boulanger. Je vais simplement rappeler, très rapidement, que c'est dans une lettre à Fliess, qui date de 1897, que Freud écrit « J'ai trouvé en moi, comme partout ailleurs, des sentiments d'amour envers ma mère et de jalousie envers mon père, sentiments qui sont, je pense, communs à tous les jeunes enfants ». Et puis, 3 ans après, il va formaliser ceci en concept. Et dans l'interprétation des rêves, il évoquera la tragédie grecque de Sophocle et la légende du roi Œdipe. Et puis, dernier point important de l'élaboration du concept en question, du complexe d'Œdipe, il complétera le complexe d'Œdipe par le complexe de castration, qui est sa résultante ontologique, qui est son corollaire absolu, qui est son articulation impérative. Le complexe de castration résultant de l'angoisse de castration, elle-même prenant racine dans la culpabilité œdipienne, est l'agent régulateur, l'organisateur de la différence des sexes. Et nous voilà aujourd'hui dans une société, vous allez voir, mon propos est vraiment dans la suite parfaite des propos de Magali Cohen Taïeb et qui vont très bien s'articuler avec les propos de ma camarade de gauche. Finalement, aujourd'hui, face à une société qui nous demande de ne plus genrer la conception humaine, qui nous propose de réfléchir à l'humain humus loin de son sexe biologique, dans cette hypermodernité qui a été bouleversée, bien entendu, par la disjonction du sexuel et de la reproduction, mais qui a été bouleversée par cette faillite du père, des pères, de ce père symbolique, celui-là même dont il est question dans le complexe d'Œdipe. Alors, l'hypermodernité ou la postmodernité, on ne va pas y revenir très longuement, j'ai travaillé plus de 5 ans sur ces affaires-là, donc je vous fais grâce de longs détours. Disons simplement que, comme le montrent les philosophes Jean-Philippe Lyotard et Gilles Lipovetsky, ce qui caractérise cette hypermodernité, c'est la faillite des idéologies.
c'est ce qu'il nomme la chute des grands récits, l'ébranlement des fondements absolus de la rationalité, la désaffection du militantisme, en bref, la perte et la fin de l'espoir en un avenir, et c'est bien entendu la perte de la foi religieuse pour commencer. Très schématiquement, c'est le no futur des années 70-80 des Sex Pistols. Et cette crédulité ambiante, s'est ajouté un phénomène d'accentuation d'un mouvement d'individuation de la modernité, de l'individuation freudienne, du cas par cas, du singulier, qui finalement a été poussé à son paroxysme jusqu'à l'individualisme. Cette atomisation du sujet s'est accompagnée d'un délitement, bien entendu, du collectif, mais s'est aussi accompagnée d'une crise et d'une perte des repères et des références aux aînés. C'est une crise des références aux maîtres, c'est une crise des références au savoir, c'est une crise globalement de la verticalité. Mais cette verticalité dit aussi une crise de la transmission du père à l'enfant, de la crise finalement de ce qui constitue le complexe d'Œdipe dans sa filiation. Alors, je vous ai posé un peu en vrac tous les outils pour que vous puissiez m'accompagner encore 5 minutes sur mon propos. Comme vous l'avez vu, le complexe de castration s'appuie, lui, sur un levier inconscient qui est la culpabilité. Mais le complexe d'Œdipe étant devenu une tarte à la crème, partagée et connue de tous, que reste-t-il d'une culpabilité ? Que reste-t-il d'une culpabilité à quelque chose qui, somme toute, est normal ? Alors, on l'a tous expérimenté et on l'expérimente tous de nombreuses fois dans nos cabinets. Alors, attendez, le monsieur me demande quelque chose. Vous voulez que je parle comme ça ? Ça vous va, là ? Bien ? Bon. Alors, il y en a plein d'anecdotes cliniques, je vais vous en raconter qu'une seule parce qu'elle est brève. J'en avais une autre, mais elle est plus longue. Je reçois un enfant avec ses deux parents, et puis l'enfant, bien entendu, prend place à ma place, alors que mon siège est évidemment le mien, entouré de livres, d'un thé, de désordre, même de mon écharpe sur le siège en question. Le père dit vaguement à l'enfant que c'est peut-être pas sa place, et encore que. Je demande à l'enfant de bien vouloir se déplacer et me rendre ma place. Et le père me dit, pour commencer, oh, vous êtes vachement obsessionnel, les psys, quand même. On pourrait peut-être s'asseoir ailleurs, je sais pas, bon. Et puis finalement, en interrogeant le motif de la consultation, tout à fait par hasard, la mère me dit, il dort dans mon lit, il adore. Bah, c'est normal, c'est l'Œdipe. Donc, de ce point de vue-là, tout va bien. Alors, si tout va bien quand un enfant de 8 ans dort dans le lit de sa maman, que reste-t-il du complexe d'Œdipe ? Eh oui, voyez, ça vous fait sourire. Mais finalement, nous, psychanalystes, travaillons avec des outils conceptuels que nous ne remettons pas forcément en cause. Qu'est-ce que le complexe d'Œdipe aujourd'hui, quand il est dévoyé, généralisé ? Pas simplement partagé par tous, mais normalisé. S'il est normal de désirer sa maman pour un petit garçon, et s'il est bien entendu normal de dormir avec elle, et si cette normalité est soutenue par tous, ceci au regard de la parole du père, dans ma petite anecdote clinique, qui considère que finalement, il n'y a pas tellement à respecter la place de l'autre. Symboliquement, qu'est-ce que dit le père à son enfant quand il me dit à moi « Oh là là, les psychanalystes, vous êtes vachement obsessionnels. Pas grave, il y a d'autres chaises dans la pièce. » Qu'est-ce qu'il dit à son enfant ? Bien entendu, il ne pose pas la loi. Évidemment, il ne restaure pas la question de la limite, ce qui bien évidemment se voit au sein du couchage familial. Mais aussi, cet enfant-là, qui est enfant roi, bon, vous avez tous entendu parler des enfants rois à notre époque,
Et cet enfant roi, pour qui l'Œdipe est devenu normal, est-il encore soumis au complexe d'Œdipe? Et finalement, cette revendication que les femmes ne soient pas les seules à porter des enfants, que la reproduction ne soit pas associée à l'affection, qu'un homme qui est né avec un sexe d'homme puisse psychiquement et physiologiquement, biologiquement, vouloir devenir une femme. Que nous ayons franchi encore un pas récemment dans cette revendication idéologique de la non-genre, du non-genre, de cette émergence tranquille qui consiste à nous dire que finalement il faudra arrêter de voir la société comme femme ou homme. Et que finalement on devrait pouvoir se définir sans être genré. Est-ce que ça n'est pas très exactement la preuve que quelque chose de la structuration du sujet psychique, de son ancrage traditionnellement œdipien, a été dévoyé et que finalement le complexe d'Œdipe n'est plus ce qu'il était, à moins qu'il ne s'agisse plus d'un complexe? Donc pour conclure, complexe d'Œdipe ou Œdipe roi déchu du XXIe siècle pour un Œdipe décomplexé, et sans doute que ça nous amène à une interrogation. Alors je regrette amèrement que Gérard ait dû partir, parce que j'espérais que mon propos d'une certaine manière introduise le sien. Alors je vais m'autoriser juste deux phrases. Gérard travaille sur un concept que je trouve éminemment clinique, d'une pertinence extraordinaire. Je vous renvoie les uns et les autres au site de l'Institut Gérard Haddad, IGH, où nos séminaires sont en ligne, qui s'appelle le complexe de Caïn, où finalement ce qu'il est en train de travailler, et puis nous ses élèves avec lui, puisqu'il reste des gens pour lesquels le complexe d'Œdipe a été pas trop mal arrimé et qu'ils reconnaissent encore des maîtres, eh bien le complexe de Caïn, c'est finalement revenir aux sources bibliques où l'invention, la supercherie, la fantaisie, l'originalité, cette chose à dormir debout, comme disait Lacan, de totem et tabou, n'est probablement pas le seul pivot de la structuration psychique. Et qu'un autre pivot, tout aussi essentiel, est certainement la question de la fraternité. Et à la place du fratricide spéculatif, imaginaire freudien, eh bien Gérard propose une lecture du fratricide par le meurtre de Abel par Caïn, qui est quand même le premier récit biblique, celui sans doute sur lequel s'origine, se structure, la possibilité de se socialiser et de devenir humain. Alors, au complexe d'Œdipe décomplexé, Gérard aurait dû vous proposer de réfléchir au complexe de Caïn, qui, selon toute vraisemblance, est au tout premier plan de notre clinique aujourd'hui. Voilà, c'est quelques mots pour vous proposer, sans doute, dans nos cures et dans l'accompagnement de nos patients, de ne pas entendre que de l'Œdipe, mais sans doute d'entendre, là où il faut, de la rivalité fraternelle, de la question fratricide, et sans doute de plus en plus des questions horizontales dans la conflictualisation psychique et non plus des questions exclusivement verticales. J'ai été brève, je vais prendre mon train et je vous remercie. Merci beaucoup Madame Illouze. Est-ce qu'il y a une question, puisqu'un train n'attend pas? Allez-y. Oui, dites-moi, allez-y. Le micro, attendez le micro. Non, c'est juste quelque chose, vous avez raconté votre cas, quand vous avez reçu l'enfant qui a pris votre place, quelque part ça vous a un peu dérangé, mais si vous l'aviez pris dans l'étonnement justement, parce que c'est quelque part quand on reçoit des gens, bon, voilà, l'enfant il a pris la place, mais ça aurait été bien de peut-être de le laisser justement pour voir... Alors, si vous posez une question d'ordre technique de conduite de la cure,
on peut échanger. Pour ma part, malgré mon jeune âge, je suis très à l'ancienne. Et je fais partie de ces gens qui pensent que dans le cabinet de l'analyste, on commence par imposer, entre guillemets, ou permettre à l'enfant de repérer les lois. Et dans des lois communes, on peut continuer ou on peut commencer à déployer quelque chose. Ensuite, la première intervention était celle du père. Donc finalement, ce n'est pas à l'enfant que j'ai répondu, mais plutôt au père. Alors cette anecdote, il y en a une, mais je peux vous en donner 50. Hein. Aujourd'hui, tous ceux qui travaillent, qui retroussent leurs manches pour bosser avec les familles en guidance ou avec des enfants, on est tout le temps finalement en train de travailler autour de cette question du repérage de la limite, du recentrage, de la reformulation de la loi. Mais vous savez, on a de plus en plus de motifs de consultation au profit de beaucoup de violences au sein des cellules familiales. Cette violence, elle est le produit de ce qui n'est pas posé, et pas simplement par les parents, mais de ce qui n'est plus posé comme étant garant d'une possibilité de vivre ensemble. Et là, on est à nouveau hein, dans la question du fratricide et de ce complexe, à mon sens, un peu sous-évalué dans notre discipline, qui est ce concept ou ce complexe que Gérard a nommé le complexe de Caïn, et qui est toute la question de la rivalité fratricide. Alors, je vais peut-être le dire juste une fois encore autrement, il me semble qu'à l'affadissement du complexe d'Œdipe, on a affaire à une férocité encore plus déployée du côté du fratricide et de la question de la rivalité fraternelle. Voilà. C'était la première rencontre ou pas ? C'était ça que je voulais savoir. C'était, c'était parfaitement la première rencontre. Mais si vous veniez dans mon cabinet, vous verrez, tout est absolument très propre, très nickel. Et puis autour d'un fauteuil, c'est carrément pas propre. Il y a des papiers, il y a des Kleenex. Enfin bon, on ne peut pas passer à côté du fait que ce soit ma place. Hein. Mais bien sûr. Mais la première rencontre, l'enfant, tout de suite, il est rentré. C'est lui qui est rentré qui a pris votre place. Oui. Voilà, donc c'était intéressant. Oui, alors si vous voulez me faire dire que symboliquement, il prend la place de ses parents, oui. Enfin, c'est pas avec ça qu'on va lui permettre d'aller un peu mieux. Hein. Bah non. Je vous remercie. Non, merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Non, on va y aller. Oui. Moi, je voulais. Lucia, rapidement. Hein. Rapidement. En fait, vous vous êtes décrite comme une psy à l'ancienne, enfin, c'est vous qui l'avez dit. Et moi, je suis assez. Je me sens agressée par vos propos, parce que vous décrivez une loi, vous avez l'impression d'être en surplomb. Je pense que quand on travaille avec des familles, déjà, ce qui est intéressant aussi, c'est de découvrir la leur de loi. Il n'y a pas une loi. Je crois que c'est un discours, quand même, qui a fait son temps. La limite. Alors, je vais vous dire. Moi, je suis à l'ancienne et j'espère, comme vous avez pu l'entendre, je fais partie de ces gens qui pensent que nous devons impérativement renouveler notre discipline et que le renouvellement de la discipline passe d'abord et avant tout hein, par une écoute bienveillante. Je ne suis en surplomb de rien et si mes propos vous ont agressé, eh bien, je vous renvoie à votre analyse et je vous salue. Moi, j'avais une question à poser, enfin une réflexion qui m'est venue à. Je peux rapidement, oui. Rapidement. Parce très, très que... rapidement. Ce qui m'a frappé dans cette exposition. Madame Mandelson attend, là. Deux secondes, c'est juste une réflexion, c'est même pas une question. Alors. Ce qui m'a frappé, ça fait un peu écho bizarrement à ce qu'a dit cette dame, c'est que ce que moi j'ai perçu comme clinicienne dans cette situation, c'est une dérive quasiment incestuelle du père qui prend son fils en connivence et qui vous dragouille. Hein, si je puis me permettre, en disant allez, fais pas chier, la mémé, là, on va c'est prendre bon, ta place. Alors, voilà. Et donc la question, c'est la référence à une question de qu'est-ce qui fait loi au niveau symbolique, et que effectivement, c'est pas que le cadre administratif, c'est peu importe après tout la chaise, sauf si on voit que quelque chose d'autre est en train de se marquer. Non, mais voilà, quelque chose est en train de se marquer dans cette place-là. C'est tout. Merci. Au revoir. Au revoir.